Ok, là dans le placard à 51 de fight. J'aurai besoin de ça. Salut les fighters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques exercices d'automassage simples pour pouvoir améliorer votre récupération après l'entraînement. Alors premièrement, pourquoi réaliser des automassages? Il faut savoir que dans le cadre d'une activité physique, que ce soit sport de combat, musculation ou autre, vos fibres ici qui fonctionnent normalement en parallèle, en pouvant ici se raccourcir, donc se contracter, contraction du muscle, ou alors l'inverse, s'étirer, étirement du muscle. Dans le cadre d'une activité physique importante, vous allez créer des micro-lésions au niveau musculaire. Ces micro-lésions vont au final créer des adhérences au niveau des tissus. L'adhérence ici, le problème de l'adhérence, c'est que le muscle va avoir du mal après à se contracter de manière uniforme et également ça va bloquer aussi au niveau de l'étirement du muscle. Donc le problème au final d'une adhésion, c'est que vous allez perdre en amplitude au niveau musculaire et donc également perdre en performance. Donc alors l'intérêt de l'automassage, que ce soit avec le rouleau de massage, avec le bâton de massage ou avec la balle de massage, qu'on verra un petit peu après, l'intérêt de ce type de massage, c'est non seulement de faire circuler le sang au niveau des muscles, mais aussi et surtout, ici dans le cadre d'adhérence, de venir rompre les adhérences qu'on a eues au niveau des tissus pour après redonner aux muscles la capacité à se contracter efficacement et la capacité aux muscles de pouvoir s'étirer efficacement. Allez, sans plus attendre, on va s'entraîner et terminer notre séance par un automassage. C'est parti! Pour utiliser le rouleau de massage. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'outils qui existent pour les automassages, il n'y a pas que le rouleau. On peut aussi utiliser d'autres outils comme ici le bâton de massage, hein. C'est principe un petit peu comme un rouleau à pâtisserie, ni plus ni moins. On l'utilise à deux mains directement pour masser différentes parties, notamment les quadriceps. Après, c'est à vous de voir ce qui vous convient vraiment. Et également, vous avez aussi la petite balle de massage. C'est comme une sorte de petite balle de tennis avec des petits picots. Ça, c'est plus si vous avez un point précis, notamment au niveau du dos, des épaules, ou alors même pour masser la voûte plantaire. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les automassages, vraiment avoir toute la théorie derrière, comment ça fonctionne au niveau du corps, je vous recommande vraiment la lecture de deux ouvrages. Le premier de Christophe Cario, Un corps sans douleur. Et le deuxième également ici de Christophe Cario, le fameux Savoir s'étirer. Où dans ce livre-là, on retrouve en partie ce que je vous expliquais sur les phénomènes des adhérences. Alors, on le voit ici, voilà.
Donc voilà, n'hésitez pas à acheter ces livres-là. Également, musculation pour le fight que j'ai présenté dans un autre tutoriel au niveau de la musculation des avant-bras. C'est pareil, ici on retrouve également l'utilisation du rouleau de massage. Donc n'hésitez pas, sautez vraiment sur l'occasion. Ces livres-là de Christophe Cario et musculation pour le fight de Frédéric Delavier sont vraiment des ouvrages à avoir chez soi. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner pour ne rien louper de mes prochains tutos et de mes prochains voyages. C'était Tom pour Krav Maga Traveling. Ciao !